Salut la famille, comment vous allez? Une nouvelle vidéo sur ma chaîne et aujourd'hui nous allons parler de Neymar Junior. Mais les gars, avant de continuer, abonnez-vous, laissez quelque chose en commentaire, likez cette vidéo, ça va me faire plaisir. Et bien, on a tous vu les débuts de Neymar Junior, un talent incroyable. On l'a tous de suite classé parmi les trois meilleurs joueurs du monde, c'est-à-dire après Cristiano Ronaldo, Messi, c'est lui qui prendra la relève, qui va gérer le football mondial. Et là, malheureusement, aujourd'hui, il a 31 ans et c'est pas fait. Neymar Junior est encore sans ballon d'or. Et là, il a officialisé un transfert en Arabie Saoudite. Et les gars, qu'est-ce que vous pensez de la carrière de Neymar Junior? Mettez ça en commentaire. Il a-t-il raté sa carrière ou on attendait plus de lui? C'est vrai qu'il a la Ligue des Champions haute, mais est-ce que la carrière qu'il a eue est à la hauteur plutôt de son talent? C'est de ça que nous allons parler ce soir. Mettez les réponses en commentaire, laissez beaucoup de choses en commentaire, ça me fait plaisir. Et bien, Neymar Junior est venu en Europe grâce au Barça, un transfert du Brésil au Barça. Il a éclairé le monde du football. Il avait des stats incroyables. Avec le trio Messi, Neymar, Suarez, MSN, c'était une vraie bombe. Il était au meilleur de sa forme. Il concurrençait tous les grands joueurs du monde du football. On l'avait même classé parmi les meilleurs joueurs du monde à la table de Ney, à la table de Messi et Cristiano Ronaldo. Seuls les deux étaient à la hauteur, étaient supérieurs à Neymar. Et là, un transfert, boum, au PSG. Et là, le Neymar que nous avons tous connu au Barça n'est plus redevenu le Neymar qu'on connaissait rempli de talent. Son niveau de football a vraiment chuté. On a vu que le Neymar du Barça n'était plus le même Neymar au PSG. Peut-être qu'il a, grâce à comment je vais dire ça, il a été accueilli au PSG comme un roi. Il travaillait plus. On a vu sa forme physique remplie de graisse. Il n'avait pas d'abdos, il s'est délaissé. C'est cela qu'on dit toujours, le talent seul ne suffit pas. Il faut travailler. Même Lionel Messi travaille, même Cristiano Ronaldo travaille. Et là, son transfert au PSG l'a rendu paresseux parce qu'il n'y avait pas de concurrence. Au Barça, il travaillait dur parce qu'il y avait Messi autour de lui, il y avait Suarez autour de lui. Moi, personnellement, je pense que si Neymar restait au Barça, il allait forcément avoir le ballon d'or. Forcément. Ou il allait garder le niveau qu'il avait. Mais au PSG, il est venu comme un prince, comme un roi, assis, on lui donne tout, avec des caprices et autres, et ça a réduit son niveau de football. Et là maintenant, on ne peut pas dire qu'il a complètement échoué au PSG, mais n'oublions pas que c'est le transfert le plus cher du monde du football, 220 millions d'euros pour lui. Et là, il n'a même pas pu gagner la Ligue des Champions, le PSG. Rien. Donc, en plus, son transfert au PSG a en même temps détruit a en même temps réduit sa forme. Il n'a pas explosé au PSG comme on l'espérait parce qu'au PSG, il est venu comme le leader, comme celui qui va porter l'équipe, mais ce n'était pas le cas. C'est Mbappé qui a pris la relève après. Donc, on peut dire que la carrière de Neymar n'est pas à la hauteur de son talent, car le talent de Neymar est incroyable. C'est le joueur le plus talentueux après Messi et Cristiano Ronaldo. Mais là, il n'a pas eu ce qu'il mérite parce qu'il a commencé à négliger le football. Et quand tu négliges le football te néglige. Et voilà les retombées. On lui souhaite une bonne carrière à Al Hilal. On espère que là-bas, il sera meilleur de sa forme. Il va pouvoir s'exprimer librement, parfaitement. Les gars, si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de vous abonner, de liker, de laisser quelque chose en commentaire. Ça va faire plaisir. Ciao.